Benjamin Castaldi réagit aux propos de Lino Renault sur sa grand-mère, « ça m'a blessé ». Quelques heures après avoir réagi avec colère aux propos de Lino Renault sur les prétendus penchants alcooliques qui cherche Benjamin Castaldi, le trouve. Dans un entretien accordé à Paris Match, Lino Renault s'était confié sur les excès liés à la vie d'artiste, en déclarant notamment, « si j'étais excessive, c'était dans le travail. J'aime aussi m'arrêter, prendre mon temps en buvant un petit apéritif. Je fais la fête de temps en temps mais je ne commence pas à boire de l'alcool au réveil, comme Simone Signoret qui, dès 10h du matin, trempait ses croissants dans le pastis de la Colombe d'Or. » Les propos qui avaient particulièrement irrité Benjamin Castaldi, qui n'est autre que le petit-fils de l'icône du cinéma français, décédé en 1985. Après avoir lu les déclarations de Lino Renault, l'animateur avait rapidement recadré la chanteuse et comédienne, en postant une vidéo sur son compte Instagram. Je découvre ce matin que Lino Renault, pour qui j'ai au demeurant beaucoup de respect, dit des horreurs sur ma grand-mère. Et je commence à être sérieusement lassé par toutes ces personnes qui attaquent ceux qui n'ont plus la et, foutez la paix à ma grand-mère, foutez la paix à Johnny, foutez la paix à tous ceux qui n'ont plus la chance de pouvoir se défendre, avait-il déclaré. Point très agacé. Benjamin Castaldi s'était également emparé de sa page Twitter pour écrire un message particulièrement salé, « Avec tout le respect que je te dois Cherline, tu dis des grosses bêtises et ma grand-mère n'aimait ni les croissants ni le pastis et n'a jamais bu au petit déj gratuit et bête cette remarque et mais n'est pas signoré qui veut est. » Lundi 25 mars, sur le plateau de Touche pas à mon poste, le présentateur a tenu à justifier ses durs propos, en il s'était senti blessé. Je n'ai pas compris cette attaque très très gratuite et, franchement ça m'a vraiment blessé, c'était ma grand-mère et, je trouve ça blessant, un peu humiliant et, ça m'a vraiment fait de la peine et... Puis de préciser néanmoins qu'il n'en voulait plus à la comédienne de 90 ans. Tout est bien qui finit bien.